Et salutations à toutes et à tous, c'est aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Aujourd'hui on va faire donc la mission donc dans l'ombre de la mine, on va devoir trouver Sébastien là-bas. Et comme vous pouvez le voir aussi au niveau des défis, on est quand même pas mal avancé. Au niveau des quêtes, on a 79%. Il y a l'air qu'il ne reste plus grand chose comme quête principale à faire. Il reste 32 quêtes d'annexes et de relations, mais je n'en vois quasi plus aucune. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais bon, allons retrouver Sébastien. Donc on doit l'attendre, je suppose. Ah ben voilà. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. Par contre, j'ai vu qu'on avait une nouvelle quête. Ah oui, Poppy. Vous savez quoi, on fait cette quête là et après on ira retrouver Poppy. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Hominis dans les catacombes, sans parler de la réaction de mon oncle, que j'en avais presque oublié ce qui m'avait frappé au sujet du triptyque. C'est le paysage représenté sur l'étoile, enfin ce qu'il en restait. C'est incroyable. Tu connais vraiment bien cet endroit? Et pendant que je t'attendais, j'ai exploré les environs et j'ai découvert une mine abandonnée, grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi, comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent. Nous devrions les attaquer de front. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense. Allez. Après toi. Let's go. Ils sont là, droit devant. Waouh, l'atmosphère est verte. Personne ne doit entrer dans cette mine. Tuez tous ces pièces. Je ne m'arrêterai pas. Pourquoi tu n'as pas de battre? Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne peux pas nous arrêter. Wouah! Easy! Alors, par contre, il y a un coffre ici. De collection. Ah, attendez. Il y a un duel ici avec Fidèle de Ranrock. Voilà. Tous les fidèles de Ranrock méritent le même sort. Bon travail. Bon, par contre, il faut remonter. Ça par contre, ça va être une autre paire de manches. Ah mais non, je sais. Ah merde, non, je peux pas utiliser le balai. Oh, c'est un enfer ça par contre. Ouais. J'avais pas prévu ça. Ah, peut-être qu'il y a moins d'escalader ici. Peut-être ici via la cascade. Non, rien. Ah! Ok, s'ils avaient prévu le coup, ok. Je me disais bien. Hein. J'aurais pas fait en sorte de mettre un défi comme ça ici si on pouvait pas remonter. Bah, continuons à avancer du coup. On se débrouille plutôt bien. On forme une bonne équipe? C'est rien de le dire. Cette fois encore, on peut choisir de se battre ou d'être discret. Tu sais ce que je choisirai. Tu crois pouvoir me battre? Allez.
Voyons. Si seulement Ranrock pouvait voir ça. C'est tellement bien. Voilà, merci. Voilà. Je n'appellerai pas ça une fête. Rebellio. C'est vrai. C'était relativement amusant. Ouais, amusant. Oui et non. On va dire qu'on trucide des gens. D'ailleurs, normalement, c'est pas censé être quelque chose de tolérable dans Harry Potter, mais bon. Oh non, des araignées. Oh, mais je sais pas. J'ai l'habitude, mais j'aime quand même pas les araignées. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Rebellion. Je me dois de te dire qu'on raconte que cette mine a été fermée il y a longtemps, à cause d'une infestation d'araignées. Mais dis ça. Pas ça, Sébastien. J'aime pas les araignées. Ça me fait stresser, les araignées. Enfin, pas stresser, mais j'aime pas. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Il faut que t'arrêtes de manger autant. Je t'ai pris pour un troll l'autre jour. Pas un bruit. Voilà. Encore un exploit de duel réussi. Cette mine ressemble à un tombeau. Elle a été fermée après. Rebellio. Alors, il y a pourquoi. Des trucs. Confingo. Oh. N'empêche, les petits détails comme ça sur le bois, c'est vraiment bien. Bon, est-ce que ça va fonctionner ici? Non. Incendio. Non, ça fonctionne pas ici. Mais vous voyez le bois qui a cramé comme ça petit à petit. C'est vraiment bien fait, je trouve. Je vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les araignées. C'est gentil, la toile de passer. Ah, je vais te faire. Et merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Du coup, j'ai raté. Ah, quoique, attendez. Non, je sais. Défi. Non, pas défi. Talent. Sort. Ouais. Ok. Je sais comment réussir le défi. Prends ça. Oh. Ah, ça a pas fonctionné, merde. Tant pis. Combien de fidèles de Ranrock y a-t-il ici? C'est chiant, mais bon. Ils doivent être persuadés que ce qu'ils... Donc tant pis, ça ne fonctionne pas, donc on va reprendre conflit. Quoi. Rebellion. Alors, le dictam... Ah, il y a un gros coffre en bas. Intéressant, il y a aussi un coffre de collection, par là. Il est où? Rebellion. En bas, il y a l'air. Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée? Ah, il y a aussi un coffre de collection ici. Là, il y a de la mousse douce. Regarde, on est vieux, ça. Ah, qu'est-ce que je fais, moi? Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Rebellion. À cause de leurs pattes poilues, de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. Tellement de qualités attachantes. Là, merci d'avoir fait tout péter. Hein. Du coup, je suppose qu'on doit continuer par là. Ah, évidemment, c'est un truc où on glisse. Ah oui. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. Attends, quoi? Tu peux invoquer des escaliers? T'aurais dû faire plus tôt. Ah. Ok. Non. Alors, donc réparo du coup ici. Réparo.
c'est vraiment pratique. Réparo ceci et réparo cela. Réparo Florette et Sial pour moi, réparo Magrip aussi. C'est vrai que je suis toujours pas bien. Oh, des grosses araignées. Pourquoi il y a des grosses araignées? Pourquoi c'est pas suivre les papillons? Il y en a qui ont la ref, il y en aura qui ont pas la ref. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Ça me fait penser un petit peu à Dark Souls, ça. Mais bon. Elle est pas dans Dark Souls. Allez, on continue d'avancer, du coup. Ah bordel, attends, faire exploser un ennemi transformé en... Mais comment tu peux faire exploser un ennemi transformé en... Il y a une araignée de moins dans ce monde. Je vais mieux dormir ce soir. Attendez, il y a un ennemi là. Bon, bah, j'ai pas compris comment on faisait cet exploit duel, hein, évidemment. J'ai l'impression que c'est vraiment pas clair les exploits duels et que c'est un peu buggy. On les a éliminés rapidement. Le professeur Ekat serait fier de nous. C'est vrai. Alors. En vrai, je crois que ça fonctionne ça. Il y a aussi un coffre de collection pas loin. Il est là. Nickel. Présentoir du cure des grenouilles. Oh, sympathique. Oh, mais pourquoi? Sympathique, le gros bruit que l'araignée a fait en explosant. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Que tu vas passer un sale quart d'heure. Alors. Donc Repulso. Putain. Jimus pendant qu'elle se prépare à attaquer. Bon bah j'ai raté. On n'a pas encore terminé. Est-ce que je peux faire ça? Non. Par contre ça commence à me gerger ce de transformation de mort. Thank you.
attendre. Ah, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Bon bah tant pis hein, ça casse les couilles, mais bon. C'est vrai. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on nous impose à faire autant d'exploits de duel. Je reconnais la loyauté. Bah d'ailleurs ça l'a validé. C'est complètement buggé les exploits duel honnêtement. Rébellion. Je ne cherche plus à comprendre. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je trouve ça quand même triste que ce soit autant buggy que ça, les exploits duels. Ils auraient pu faire un truc vraiment bien, mais... Mais bon. Là, c'est des choses qui arrivent, hein. On va chercher un peu. Et on va pouvoir avancer. Bon bah let's go. Rébellion. Ah, oh, un extrait du journal de Isidora. Qu'est-ce que c'est ? Un extrait du journal d'Isidora. Espérons qu'il nous aidera à éviter ce mystère. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Ah, il faut aller voir Sébastien. Si le triptyque nous a menés jusque-là pour ce petit bout de toile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir, à part toi? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient aussi voir les traces de magie ancienne. Rackham? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas la même aspiration concernant cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici. Par contre, c'est bien fait, honnêtement, le fait d'avoir des... des murs comme ça. Ça doit convenir. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs. Grand halo. La situation est aussi grave qu'à Feldcroft. Si nous y allions tout de suite. On devrait attendre. Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage. Et qui donc ? Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Oh, tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit on sait même pas si c'est un gobelin. Un gobelin n'a pas de baguette. Mais tous les gobelins Sébastien. Ne sont pas... Les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Sébastien. Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes on pas. Où. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Oh putain, on dirait vraiment un wook. Tu ne sais pas ce que tu dis. Respire et prends le temps de te calmer. Non, je sais très exactement ce que je dis. Oui, je ne reviens pas. Tous les gobelins sont des salauds, méritent de mourir. Oh là là, Sébastien, tu me déçois fortement. En plus, tu fais des claquettes là. Mais tu me déçois fortement, Sébastien. Vraiment, tu me déçois vraiment fortement. Mais du coup, on va aller parler un peu plus alors. Ah. Enfin ! Je peux enfin acheter une amélioration de valet. Yes ! Mais
Sébastien, il exagère là. Il exagère vraiment. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préola. Avec le goc, avec le pâtre qu'on a aidé. Oh, par contre, c'est trop beau. Un représentant avec le pâtre qu'on a aidé, Gobelin et ainsi de suite, je comprends bon, voilà. pas qu'on aille plus. Quel plaisir de vous voir. Ça, quoi. Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de balai. Ah. Combien 4000. Ah oui. Alors, accroît considérablement l'accélération et la vitesse de votre balai. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère vous... La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé? Vous me connaissez bien. J'y suis presque, je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur balai. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les serpents cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous volez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, Monsieur Wicks. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Faites preuve de prudence, bien sûr. J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. J'ai hâte de vous revoir. On va faire ça. Hein. Alors qu'à la base, je voulais parler à Poppy. Mais si ça peut me permettre d'avoir le balai un peu plus amélioré. Mais oui, j'ai exploré énormément. C'est pour ça que j'ai déjà les flammes de cheminette. D'ailleurs, je les ai toutes. Je pense que j'ai toutes les flammes de cheminette du jeu. Est-ce qu'on sent vraiment une différence? Ouais. Je sens pas vraiment une différence, c'est ça le problème. Ah si, je peux voler plus haut. Ah non. Ouais, bof. La différence est pas flagrante, je dirais. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Pouf souffle, par ici. Ah, par contre, elle me saoule à m'appeler Pouf souffle. Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier? Je sais que je m'emporte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Qu'est-ce que tu dis d'une défaite, Pouf souffle? Commence déjà. Bon, déjà, je vais plus vite qu'elle. Pas. Ça n'a pas été trop dur? Fantastique. Minutes 42, le meilleur temps. Ouh, ça... ah, elle est un peu chiante cette course par contre. Je peux faire mieux. Ah, 29 anneaux. Ah oui, ok. Ce vol était impressionnant. Si je peux le faire, fantastique. Ok, il va falloir bifurquer à droite. Monter, prendre des bulles. Un peu dangereux. Plus dangereux cette course, tiens. Après, c'est quand même relativement proche les uns des autres, je trouve. Oh, la musique.
Ouh, c'est un peu bordé tout ça. Ah, c'est dur. J'avoue que je le trouve quand même dur, hein. Ça n'a pas été trop dur. Ah bon, par contre, 2 minutes 42, elle exagère, hein, lui. J'ai réussi. Vous avez vu un peu ? Certains passages étaient quand même compliqués dans la course. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Pas mal. Pour quelqu'un de Poufsouffle. Oh là là, elle pète plus haut que son cul. Fais attention à toi. Bon, on va retourner voir Abby. Alors... Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Comment va notre spécialiste du test de balai ? Hein ? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais avec cette vitesse, je sens désormais le vent s'engouffrer sous l'assise, ce qui peut affecter ses performances. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Je reviendrai bientôt vous voir. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai ta... Alors ? Je n'aurais rien pu faire sans vous. La question à 50 balles, est-ce que si j'attends, où va le monde ? Est-ce que j'ai un hibou ? Non. Oui, bon, pas l'hibou que je souhaitais. Sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à côté de Préolard et on élaborera un plan. Monsieur, vous volez, monsieur. Bon, pas encore de mission, malheureusement. Par contre, je me pose une question. Vu que Préolard est décoré en mode Noël, Poudlard, grande salle, salle commune de Poufsouffle, j'ai envie de voir à quoi elle ressemble. Parce que on a vu la salle commune de Gryffondor dans les films en mode Noël, mais c'est la salle de Poufsouffle. Ah ouais. Je dis oui, monsieur. Ah, j'ai entendu un ting. Ting quelque part. Ça va être en haut. Mais par contre, vraiment le souci du détail. Hein. Et du coup, la question que je me pose, c'est. Mais je te prie d'essayer, car je sens que je vais rigoler. La grande salle. Voyager était incroyable. Quoi ressemble-t-elle ? À inventer un nouveau jeu, il faut juste faire attention. Oh mon dieu, c'est beau. Oh cul, c'est beau. Oh, oh, regardez-moi toute cette bouffe. Oh, oh là là, et cet arbre. Ah, oh, c'est trop beau. Ah, oh, c'est un pyrénéen. Oh, regardez-moi ça. Ah, oh, c'est tellement l'extase, ça prend trop. Dommage qu'il n'y ait pas de mode photo dans le jeu, parce que là, ça mériterait vraiment une photo. Ok. C'est-à-dire que l'extérieur aussi doit être un peu décoré. Ah ouais. Ah ouais, ils ont vraiment tout décoré en mode Noël et dehors. Ouais, bon, dehors, c'est un peu bof quand même. C'est juste un sapin, quoi. Et l'intérieur, oh là là. À
Et moi, je suppose qu'ils sont pas tout décorés non plus, quoi. Ils ont sûrement dû s'arrêter à la grande salle et les différentes salles communes. Et étant donné qu'on n'a pas accès aux différentes salles communes. Quel plaisir de vous revoir. Donc là, ça part. C'est pouf souffle là. Je suppose que ouais, ils ont rien décoré d'autre. Ah bah en fait non, je suis bête, je peux aller voir ça facilement. Ah bah tiens, attraction duel. On va faire ça un petit peu de quête secondaire, comme ça on est au point. Il faut que j'utilise Axio. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça donne. Comme récompense, ça donne rien comme récompense, ok. Bah c'est pas grave, on va quand même le faire. Ça fait quand même des quêtes secondaires à faire. Donc bon, un peu d'XP. Ah, une serre d'aigle. Non, pouf souffle. Ouais, pouf souffle. Bonjour, tu es là pour jouer au plateau d'attraction? Tout à fait. Ne t'attends pas à avoir autant de chance. En parlant de ça, que dirais-tu de perdre... Enfin, de faire une partie? Bien sûr, Charlotte. Ah, j'aime pas son alors ton que le meilleur gagne. Je suis toujours les bleus, oui. Oh, ah oui. Oh putain, là ça va être compliqué. Le problème, c'est les... Ça c'est chiant. Exactement comme prévu. Je peux pas relâcher trop la boule. Elle va se ralentir. Finesse. Ne rigole pas trop. J'aurais dû l'arrêter un petit peu avant. Le problème c'est que maintenant. Exactement comme prévu. Oh bordel, bah ouais, maintenant je suis. Non, j'ai perdu quoi. J'ai perdu. Comment on peut abandonner? J'aimerais bien abandonner. Exactement comme prévu. Je m'en souviendrai. Je t'avais dit que j'aimais la compétition. Ouais, là. J'ai raté. Super. Pas de chance. Bon, on va. C'est d'accord. J'aime cette tête. On va réussir. Ah, elle joue même pas les mêmes coups. C'est intéressant à savoir ça. Ah ouais, putain, elle est chaude. Exactement comme prévu. Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Que j'essaie de m'arrêter sur sa balle. Belle technique. Ah putain. Exactement comme prévu. Voilà, je t'ai battu. Belle technique. Bon, tu sais ce que tu fais.
Je sais reconnaître la défaite. Dis-moi, où as-tu appris à jouer comme ça? Je m'entraîne autant que possible. Oh, de l'entraînement? Je devrais peut-être essayer. Eh bien, il ne te reste plus qu'un seul adversaire. Je n'en dirai pas plus, mais disons qu'il n'est pas le meilleur pour rien. Intéressant. Eh bien, nous, c'est sur ce qu'on va se quitter ici. Je suis très impressionné par ce que vous avez accompli. Ah. Ma dernière amélioration de ballet est mieux que ce que je pensais. Venez me voir à vos ballets quand vous pouvez. Ah bah, écoutez, on va améliorer une dernière fois le ballet. Comme ça, ça fait une pierre de coup, hein. Une dernière mission. De réussir. Préolard, me voilà. Les gobelins sont à la tête. Oh, rebonjour. Je n'aurais jamais pu optimiser cette amélioration sans votre concours. 7500. Comme toujours, je vous réserve un tarif spécial. Voilà. J'ai adoré travailler avec vous. Merci d'avoir cru en moi. Normal, normal. Et bien voilà. Sur ce, on va pouvoir se quitter là. Ça fait une belle petite vidéo, ma foi. Faut que j'y vende un peu tout ça. J'ai beaucoup de choses à vendre, du coup. Donc voilà, donc je vais revendre un peu toutes mes bricoles. Je vais améliorer un peu toutes mes bricoles. Et on se retrouvera donc pour un prochain épisode. Prochain épisode, évidemment, ce qu'on fera, c'est qu'on continuera. Les quêtes principales. Ou bien, vous savez quoi, on fera les deux quêtes ici. Enfin, on va essayer plutôt. Donc, on se retrouvera pour ces quêtes-ci. Sur ce, je vous dis à plus tard. J'aimerais bien travailler avec